I'm <music> Normalement, ça devrait s'adresser à tous les niveaux. Il n'y a pas forcément vraiment de situation difficile. On ne va pas entrer dans les détails techniques compliqués. On va plutôt parler des grandes idées. Et donc le thème qu'on qu va utiliser pour ces différentes masterclass, il y a une suite de quatre masterclass euh, donc pour Stones in the Shell, sera mmh. Alors, ce sera l'influence. L'influence, qu'est-ce que c'est Est-ce que quelqu'un aurait une définition là tout de suite ou une idée est-ce que vous aimez ça dans vos parties Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Qu'est-ce que ça évoque pour vous Et si pas d'idée, ben pas d'idée, hein, c'est pas grave. Il y a un peu deux manières de jouer au Go. Ouais, le rayonnement des pierres, c'est pas mal. Qu'est-ce que serait l'inverse de l'influence Qu'est-ce qu'on ferait si on veut pas du tout jouer influence, on veut quelque chose d'autre, voilà, territoire, tout simplement. Donc en général, on dit qu'on joue soit territoire, soit influence. Alors, comme on le verra dans ce cours, les choses sont en réalité un peu plus compliquées. La dichotomie territoire-influence, c'est plutôt quelque chose de japonais, de 20 siècle, donc un peu disparu avec le go moderne, il y a des coups, il y a des questions, il y a des coups entre les deux, et il faut en tout cas être très flexible. Effet de port. Ah ça, je ne suis pas informaticien, je peux pas parler de ça. Donc, en fait, l'influence c'est quoi C'est quelque chose qui va rayonner, comme tu dis, à partir de la connexion entre les pierres. Alors soit les pierres, elles vont être connecté directement au nobi, ça va faire un mur, on peut parler d'influence à partir d'un mur, soit ça va juste être des pierres en relation sur le plateau où on voit une connexion qui crée une influence, donc du grand territoire potentiel, hashtag moyo. Ça c'est l'influence. Et on va voir euh, lors de ce cours différents aspects de cette notion d'influence après AlphaGo. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé, on va regarder comment et pourquoi, et c'est un peu ce qui était illustré dans les exercices. Alors les exercices, c'était un choix multiple, il y avait à chaque, chaque fois 5 réponses. Autant le lire tout de suite, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tous les coups sont jouables. Il y a des coups préférés par l'IA, des coups préférés par la, le professionnel qui a joué la partie de l'exercice. Euh, il y a des coups préférés par moi. Et puis il y a aussi des styles différents. Donc il n'y a pas de mauvais coups, il y a juste des choix différents. <laughs> en général, il y avait toujours deux ou trois bonnes réponses. Donc on va regarder. C'est souvent comme ça quand, au goût, quand le plateau est très libre. Il euh, n'y a pas de réponse absolue. Tous les coups sont permis. Oui, on peut le voir comme ça. Alors, on passe. Donc on va regarder l'exercice 1. En chaque fois on va regarder les exercices et la notion qu'ils illustrent. Parfois il y a plusieurs exercices connectés. Je vais pas tous les faire dans l'ordre, mais on va commencer là par le 1. Donc c'était à noir de jouer. Qu'est-ce que vous avez proposé ici pour noir Quelle réponse préférez-vous Si vous êtes noir, qu'est-ce que vous jouez alors, si c'est un exercice qui est bien fait, je dois avoir toutes les réponses. <laughs> Parce que j'ai envie de perdre mes élèves. Ok, donc une majorité de B, j'ai l'impression. Et de D, sans doute. B, D, E. Donc ces trois-là. Ok, je vois. Personne presque propose A. Deux personnes. Et personne ne propose C. Donc il n'y a personne qui veut tout de suite lancer un combat. Ok. Donc tous les coups ici sont envisageables. Seulement il y a un ou deux coups qui se détachent. Alors on va regarder d'abord euh, lesquels sont moins joués. E, c'est un petit peu moins joué, parce que ici, blanc a un coup très simple pour à la fois éliminer l'influence de noir et continuer à garder la pression sur les pierres faibles en haut à gauche. Il fait Kema vers le centre. J15. E euh, J15 c'est possible aussi, mais c'est peut-être un peu... Un peu too much, J15. <laughs> Peut-être que Noir va même pas répondre ou juste faire ça. Je parlais plutôt de ce coup-là, qui va clairement séparer le groupe et diminuer l'influence de Noir au sud. En tout cas, j'aurais pas aimé que Blanc joue ce coup. Dans cette partie. Donc dans cette partie qui a été vraiment jouée, j'étais noir. Mon adversaire, c'était un cinquième dan européen. Javier Solvanine, quelque chose comme ça. Hein, si vous connaissez. Euh, donc eux, je l'avais éliminé d'emblée. C'est. Ben, j'avais pas envie de lancer un combat aussitôt alors qu'il y avait des grands points ouverts. Ça c'est un principe général, mais il y a des joueurs qui le font, euh, des professionnels aussi, donc c'est un style. Donc c'est sa menace de relier en B5. Hein. Si blanc ne répond pas, et couvre simplement, Noir est content de voler tous les points. Là voilà, c'est trop facile. Donc Blanc va nécessairement se battre, et puis Noir doit s'en dépatouiller. Mais comme j'avais un groupe faible au nord, c'était peut-être un peu risqué de le faire tout de suite. E pour moi. Ça réduit l'impression d'avoir une pour soi, donc double objectif. Alors E, euh, oui. C'est un coup qui paraît joli, mais il ne fait pas de points, il ne fait pas vraiment d'influence. On voit mal la connexion entre ces pierres-ci. On la voit pas très bien pour l'instant, et surtout le coup de blanc sépare cette, euh, ce moyo en construction en fait. Donc j'avais pas envie de laisser ce Kima. Alors on va regarder A. Ah, ah c'est possible. Ça marche bien avec le mur et le Oshi. Le seul problème de A, c'est <coughs> qu'il y a toujours H7 pour Blanc, premièrement, et c'est qu'il y a toujours Sansan. Donc ça, c'est vraiment une notion fondamentale, que soit influence ou pas, on va regarder s'il y a un Sansan ouvert. S'il y a un Sansan ouvert, souvent c'est le coup prioritaire. Donc pour protéger à la fois le Sansan et construire sa zone d'influence, on va plutôt jouer un kema depuis le Hoshi. Là, c'est plutôt d'entrée. Qu'est-ce qui se passe si Blanc fait Sansan Est-ce que quelqu'un connaît la suite Quelle est la situation Voilà, c'est un co exactement. Donc le co, R4, S4, blabla, et c'est un co Là à ce stade, Blanc a des menaces, mais c'est un co risqué. En plus, Noir pourrait se contenter d'ignorer et de faire comme ça. J'ai vu beaucoup d'IA faire ça. Blanc doit encore ajouter un coup, et Noir est content de Tenuki. C'est comme s'il y avait eu une invasion sans san et que Noir avait eu sa jolie gueule de tigre. Donc ici, qui lui suffit pour prendre l'avantage dans la partie. C'est pas obligatoire de lancer le co tout de suite. Donc ici. R3 est plus difficile et c'est l'idée la... de O3. Alors O3, c'est le choix de l'IA. Donc j'ai regardé après dans ces situations qu'est-ce que jouerait l'ordinateur, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant de regarder ça. Hein. C'est pas toujours bon à imiter parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe derrière, mais c'est intéressant de voir le meilleur coup pour euh, un niveau nettement supérieur. Donc ici c'était O3. Dans la partie, bah, moi j'ai joué D. D, c'est le kémin vers le centre. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette technique, ont déjà vu ce coup C'est un coup qui n'est pas toujours facile à voir, parce que ça ne fait pas de points, donc ce n'est pas sur la troisième ou la quatrième ligne. Ça n'a ne... ça, ça pas de prégnance comme ça, mais par contre, ça contrôle le centre. Ouais. Et ici, j'avais l'impression que ça marchait bien, parce que ça réduisait blanc à gauche, ça aidait mon groupe faible au nord, et ça développait mon moyo. Exactement, à la frontière de deux moyos. Si blanc le prenait, c'était lui qui avait ce point clé. limite de deux influences, c'est le second concept qu'on va voir. C'est très bien l'anticiper. Et alors pour la petite anecdote, euh, je me souviens toujours de la partie où j'ai appris ce coup. C'était une partie bah, il y a très longtemps. J'étais, je pense, de Dan KGS euh, et Stéphane qui l'a commenté. Il me dit Ah, mais ce coup-là, je peux pas t'expliquer pourquoi il est bon. C'est juste je le sens quoi. C'est mon instinct qui me dit qui est m'a vers le centre. <laughs> c'est pour lui c'était évident et je me suis dit hmm, Intéressant cette notion d'évidence et c'est pas très explicable, c'est juste qu'on le sent bien. Bon l'influence c'est aussi beaucoup d'instinct. On va jouer des coups qui nous paraissent esthétiques, qui font des connexions et après on va, on va se démerder avec. Alors dans ce cas-ci, l'IA n'aime pas trop parce que blanc peut toujours entrer au sud avec N3. Un peu spécial N3. L'idée c'est quoi C'est que si on fait le coup d'approche normal, noir pince et là si blanc entre avec le joseki, noir s'en sort quand même avec un très bon moyo au sud. Donc, blanc va approcher un coup plus loin, comme ceci. Si noir protège le coin, blanc s'étend extension 3 facile. Hein. Et si jamais noir pince, dans ce cas, blanc il peut simplement venir en Q3 et sauter. Donc, maintenant le kéma est un peu surconcentré, un peu moins efficace le kéma vers le centre. Et c'est pour ça que l'IA préférait sans doute pas cette option. Et c'est exactement ce que mon adversaire a joué, donc euh, bravo à lui. Ça c'est un peu plus technique. En tout cas, l'idée à retenir ici, c'est le kéma vers le centre. Alors, il y avait euh, une ou deux parties que je voulais vous montrer où, où ça s'est effectivement produit. Donc, première partie, c'est une partie que j'ai jouée pas plus tard que lundi. Ou c'était samedi Oui, c'était samedi. Contre Denis Keradaman, hein, si vous connaissez, le champion de France, français. Donc, on a joué cette partie pour championnat, le championnat Pandanet. Et dans cette partie j'étais blanc et lui noir. Le championnat pandanese, c'est le tournoi par équipe européen, que la France a remporté il y a pas si longtemps je pense. C'était la dernière fois Je sais plus. Enfin bref, un truc assez gros avec tous les pays. Et là je jouais pour la Belgique. Et Denis il représentait la Turquie. Donc on est deux gros expatriés, hein. c'est pas très bien, mais. <laughs> ok. Euh, donc on est dans cette partie-ci. j'ai un peu spoil, c'est pas grave. La situation, c'est que les pierres au sud, ces pierres-là, elles sont mortes. Denis est noir, moi je suis blanc. Noir commence à former un moyeu au centre, mais blanc a plus de territoire globalement. Donc la dernière chance de noir, c'est de créer un moyeu au centre. Et c'est à blanc de jouer. Alors, qu'est-ce que blanc peut faire ici Où est le féquimère vers le centre Et est-ce que ça vous paraît raisonnable Est-ce que quelqu'un a une petite idée Ouais, H10, ça dépote quand même. H10, c'est genre, euh, j'ai pas besoin de faire des points, moi j'ai juste besoin de contrôler ce que tu fais. Euh, je m'envole vers le ciel, etc. Moi j'aimais bien ce coup quand je l'ai joué. J'étais assez satisfait. Bien sûr Lordi n'était pas d'accord, Lordi voulait faire un truc comme. Ici, voilà, il voulait jouer là, pour contrôler d'abord le bord avant d'aller vers le centre. Donc c'est le fameux proverbe, le coin est d'or, le bord est d'argent, et le centre c'est le désert. Ça c'est ce que disent. C'est ce qu'on apprend en premier au go, je crois, comme proverbe stratégique, très important. Et c'est d'autant plus vrai avec l'IA qui a montré que le sansan, c'est vraiment... c'est le diamant, c'est l'or, c'est l'émeraude, c'est tout ce qu'on veut. en tout cas, c'est très important. Donc ici, j'ai joué. Voilà, et tu montes la maison avec les bases. Mais en fait, euh, mon raisonnement c'était que même s'il prend un peu du bord gauche, ce qu'il a fait, il aura toujours pas assez de points. Donc euh, je voulais juste savoir ce qu'il faisait au centre. Si je joue ici, et que lui il fait ça, maintenant je sais pas si je vais mourir en attaquant son centre. Euh, si j'essaie de réduire, il pourrait m'entourlouper avec des coups comme ça. Ah, C'est pas si simple. En plus ici j'ai la faiblesse en F15, donc je dois commencer comme ça. Donc c'est un peu plus humain comme raisonnement de dire je contrôle ce qu'il fait pour pas me faire avoir, et même s'il fait un peu plus de points sur le bord gauche, je suis quand même en avance. <laughs> ouais moi aussi je le trouvais stylé, hein, franchement. Après, quand on joue influence, il faut se faire plaisir, c'est sûr. Hein. Ah, J'ai toujours l'impression euh, euh, que les joueurs qui, qui font que du territoire, ils sont pas plaisir ils veulent juste gagner, c'est pas drôle. <laughs> enfin bref. C'est pas du tout euh, quelque chose à prendre au pied de la lettre. Ok, donc un petit... Un des premiers des six aspects que je voulais vous expliquer sur l'influence, c'est ce qui émergent vers le centre, contrôle du centre. Alors, deuxième aspect, on va le voir dans l'exercice 2, on est là-dessus. Qu'est-ce que noir peut jouer à ce stade Qu'est-ce que vous avez répondu Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il y a juste euh, des coups plus modernes et plus anciens et des styles différents aussi. Waouh! <laughs> Tout le monde est sur A, génial, j'adore. Il n'y a pas de petit Chuchikun dans la salle qui veut jouer un petit B17. Je prends mon territoire et je retourne dans ma maison. Hmm. Ok. Donc en fait, euh, ici, oui, A, c'est le choix de l'ordinateur et mon choix. Alors, l'idée derrière, c'est simplement que si blanc le prend, il augmente sa zone d'influence en haut à gauche et diminue celle de noir. Donc mettons que noir joue autre chose, blanc joue ici, et si noir le prend c'est l'inverse, donc il diminue la zone d'influence de blanc et il augmente la sienne donc c'est un coup à double tranchant entre guillemets, parce qu'il va empêcher l'adversaire de prendre ce qu'il veut et on va prendre ce qu'on veut avec noir donc c'est hyper intéressant, et alors pour l'ordinateur il y a très peu de différence avec B17 mais B17 faut la foi, déjà euh, il faut être sûr de vivre, hein, c'est pas évident L'idée c'est que si Blanc bloque simplement là Noir peut vivre facilement. Tac, tac, avec une séquence assez simple, comme ça on va dire. Voilà, on vient ici. Euh, comme ça peut-être. Non. Si Noir protège ici, on l'arnaque. Voilà. Et comme ça. Donc, ce genre de séquence. En tout cas, il y a moyen de vivre sur place, j'ai l'impression. Mais Blanc, il a. D'ailleurs, dans la partie il l'a fait, il a préparé un piège assez subtil, c'est qu'il joue B14. Donc là, c'est même pas sûr qu'on va vivre. Et en plus, en sortant, on risque de donner ce territoire à Blanc hein, s'il se renforce au sonore. Moi, je suis pas trop de ce caractère-là, mais il y a des joueurs qui peuvent jouer B17. Hein. C'est possible. Alors, peut-être que B3 est un peu lent. C'est peut-être le coup le plus douteux de tous. Parce que ça fait simplement du territoire. Et ça ressemble à du Yosé. Hein. Même si ça a un autre... une autre valeur. Ça empêche Blanc d'avoir une séquence de continuation. Par exemple, B3, E2. Donc cette séquence, si vous la connaissez pas, je l'expliquerai un peu plus tard. Cette séquence de continuation à partir de ces trois pierres. Et alors, C, c'est possible aussi, pour attaquer directement les trois pierres. Ça lance un combat dont l'issue est incertaine. Il faut avoir confiance en soi, mais c'est un style. OK. Mais le, le choix théorique classique ici, c'est plutôt K16. N15 possible. N15, c'est possible aussi. C'est considéré comme un peu lent tout de même. Parce que si on enlève 2 trois pierres, voilà, on est comme ça, c'est à noir de jouer. Donc ici, il va jamais jouer un coup comme N15. C'est comme s'il jouait là et puis blanc vient ici, ce qui est un très mauvais échange, d'accord Mais noir a rajouté un coup un petit peu lent dans la zone avec le tébari. Si tu es dans cette situation, tu vas forcément plutôt jouer K16. Donc finalement, N15 c'est un petit peu lent. Même s'il y a un mauvais échange de blanc. Alors ce qui nous amène à un autre exercice, donc cette idée de limite de deux, de deux zones d'influence, hein, qu'on a déjà vu même à, à la première exercice, je vais passer tout de suite à l'exercice 5. Hop. Voilà, on est ici. C'est de nouveau un Noir de jouer. Que fait-il selon vous <laughs> Ouais, ok. Très très bien. Ça en effet, c'est plutôt B. C est intéressant. C, c'est aussi augmenter la zone d'influence au nord. Mais la valeur n'est pas la même que celle en L6. Parce que L6, comme tout à l'heure, c'est quelque chose qui va à la fois contrôler, donc restreindre blanc et augmenter noir. C'est à la limite des deux. Blanc aura du mal à construire au nord. Si blanc vient maintenant au nord, il n'y a pas vraiment de coup. On ne sait pas trop ce qu'il va jouer. S'il joue ici, noir il peut quand même envahir avec en descendant c18, f18, et puis il peut quand même séparer les pierres. Donc c'est vraiment dur pour blanc de construire. Euh, et s'il rajoute un coup, ce sera probablement ça, mais c'est vraiment très restreint. Donc finalement, le joseki en haut à gauche, il est difficile à étendre, difficile de créer un territoire. Donc c'est pour ça qu'on va préférer. Et là, blanc va jouer ici. Si noir prend le nord, c'est un coup qui a plus de valeur, parce que blanc peut facilement construire en détruisant noir. Ok, donc ici c'est plutôt b. Alors clairement d, e sont trop lents. A c'est un petit peu cavalier parce que blanc va simplement sauter et détruire naturellement le potentiel noir au centre tout en attaquant noir. Donc là dans ce cas-ci je dirais c, b sont les meilleures options. B étant euh, stricto sensu un petit peu meilleur mais jouable bien sûr. C est bien sûr jouable. Ok est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je vais pas un peu trop vite? Donc comme je vous dis l'idée c'est de comprendre l'idée. Euh, donc, le principe c'est de comprendre l'idée, c'est pas forcément de voir toutes les séquences qui se passent derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de niveaux différents, donc j'essaye d'avoir un discours adapté. Ok, super. Alors, je vais vous montrer quelques exemples dans les parties euh, professionnelles de cette limite d'influence, des exemples à drôle d'ailleurs. Euh, donc, premier exemple, on est ici, au coup 37. Okay. Donc là, c'est des parties professionnelles jouées dans les 10 derniers jours. En général quand je construis un cours, euh, je me dis on va prendre... Euh, on va regarder les dernières parties professionnelles jouées, essayer d'illustrer, pour voir si je suis vraiment au goût du jour. Et là, euh, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc j'étais assez content. Ok, donc on est comme ça. Blanc a choisi de prendre le goeté pour jouer C9. Ici, c'est. En tout cas, pour moi, ça crève un peu les yeux. Qu'est-ce que Noir doit jouer Ouais, cacade, bien sûr. Obligatoire. Si on joue quoi que ce soit d'autre, c'est blanc qui va le prendre, qui va trouver l'extension de son mur, créer son influence et diminuer celle de noir. Donc ça, c'est vraiment classique. Blanc aurait pu aussi éviter de jouer C9. J'étais un peu étonné qu'il le fasse pour venir lui-même en K4. Il laisse le hane à tête de trois pierres, mais il peut répondre, tout va bien. En plus, le bord gauche n'est pas si important. Encore une fois, c'est une question de style. Hein. Blanc, c'est un 9P, donc euh, <laughs> je ne vais pas dire qu'il a mal joué. Euh, son style, c'est juste de jouer propre, sans doute. Mais moi j'aurais complètement joué K4, j'ai pas envie de Noir, laisser Noir prendre ce point trop important. Euh, D'ailleurs, ce genre de situation peut arriver assez vite. Hein. Dans une partie, on peut avoir souvent une invasion Sansan, comme ça. Et puis l'erreur à ne pas faire avec Blanc, c'est d'envahir Sans-san aussi. Parce que dans ce cas-ci, Noir va prendre le Sente et il va juste prendre l'extension des deux. Donc ça peut arriver en partie. Blanc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt s'approcher en O3 par exemple. en faisant bien sûr euh, attention à ce principe. Alors, autre exemple sympa. Pour K4 ou C9... Euh, j'ai pas vérifié. Là-dessus, j'ai pas vérifié. 1, 2, 3. Mais si tu veux vérifier, tu es le bienvenu. Euh, je pense qu'elle dirait peut-être la même chose. En tout cas, ça a l'air de le style, mais je ne m'avance pas. Alors, un autre exemple rigolo. Donc, dans cette partie... On est... Euh 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 voilà, c'est comme ça, blanc répond. C'est à Noir de jouer. Pas, Noir, c'est un joueur très connu. C'est Park jung donc euh, qui a été premier mondial pendant un certain temps. Euh, très très fort joueur coréen. Hein. Et ici, c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce que vous feriez Alors, j'ai des O4. Waouh. K9, waouh, on est parti sur la lune, Q9, ah ça je préfère, <laughs> Q9, Q10, ça me paraît plus sensé, C3, ok, et alors Q9, ok, donc l'idée c'est un peu euh, semblable, hein. euh, alors K9 c'est le genre de coup, on sait pas trop ce que noir il va faire avec cette pierre, bon, c'est joli, il est au centre, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser et blanc va prendre cette extension-ci qui est la limite de son influence et de celle de blanc donc là je pense que si j'étais noir je jouerais K4 les yeux fermés ça attaque le groupe blanc au sud et en plus ça construit avec le mur noir mur qui a beaucoup de faiblesses, attention, hein. blanc peut utiliser ça à foison donc c'est pas tout à fait un mur je dirais un groupe faible mais qui a un petit rayonnement quand même alors c'est la première stratégie possible, il y en a deux autres euh, la deuxième stratégie possible, euh, personne ne l'a cité, c'est de faire N3 et descendre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette continuation Ouais, c'est assez euh, commun et c'est même joué très très tôt dans les parties en général. Et donc c'est possible aussi parce qu'on va utiliser l'influence noire de manière différente. On va pas essayer de construire un moyen avec, on va simplement euh, nullifier donc... Euh Adoucir à l'influence adverse. Maintenant, si Blanc rajoute un coup, son coup aura peu d'importance parce que c'est ouvert en R11 et ouvert en S5. Blanc prend l'extension, mais il ne va rien construire avec. Par contre, Noir a obtenu un avantage local significatif en bas à droite parce qu'il a pu remonter sur la troisième ligne avec le coup en A et il a éliminé le potentiel de territoire de Blanc à droite avec B. On n'essaye pas de construire une maison où il n'y a pas de mur. Hein. Enfin, on ne met pas la porte à une maison où il n'y a pas de mur, je crois que c'est le, le proverbe. Donc ici, blanc construit, mais c'est ouvert aux quatre vents, c'est pas très intéressant. Donc c'est la deuxième stratégie possible, on utilise l'influence pour euh, simplement gagner des points ailleurs. Ça arrive très souvent en Go, on le verra aussi plus tard. Et alors, ce qu'a joué Park Jun, c'est encore une stratégie différente. Et pour le coup, je pense que quelqu'un l'a dit, c'est Mat bien joué. Sans-san. -san. Tout simplement. C'est ce qu'il a joué dans la partie. Il y a un sans-sans ouvert, je le prends, c'est tout. <laughs> je vais pas me poser mille questions. Donc il a laissé Blanc prendre euh, le mur en Q10. Pas peur. Encore une autre idée, euh, les coins avant tout, même avant ce genre d'extension. Ça m'a un peu surpris aussi de le voir, mais les trois sont possibles. J'ai regardé avec l'IA pour le coup, les trois sont à 0,1% de différence, donc quasiment rien. <laughs> Euh, Camille, c'est spécialiste en sans, c'est ça Ah oh bah oui, elle est née avec ça en plus, donc... Euh... <laughs> enfin, elle, est... elle a appris le go avec ça, elle n'est pas née avec... Ok, donc ça c'était la deuxième notion que je voulais illustrer, vraiment, cette notion de limite des deux influences. La petite technique qui est vers le centre, et puis bien voir ces limites très importantes en partie. Là, je le montre en exercice, donc on le voit tout de suite, mais en partie, parfois, on loupe ça. Elle est née avec sa scène dans la bouche. Oh, je vois, c'est avec Trash toll. <laughs> Ok, alors on passe à l'exercice suivant C'était l'exercice, euh, le troisième exercice je pense C'est à noir de jouer, que fait-il ici à votre avis C'est aussi une partie professionnelle Alors le joueur blanc c'est euh, Crutier, si vous connaissez Donc euh, le joueur chinois, je ne sais plus combien de tièmes il est cassé pour l'instant Je crois qu'il doit être troisième, non En tout cas dans les cinq premiers Hmm. Intéressant. Donc, a priori, on part sur D, E et un peu euh, le C. Et alors là, c'est <laughs> le piège en fait. Toutes les bonnes, toutes les réponses sont bonnes, sauf A. <laughs> ici, j'ai regardé, regardé un peu client et il adore toutes les réponses. Alors l'idée, c'est quoi Ce qu'il faut identifier dans cette partie, c'est qu'il y a un groupe faible en haut à gauche, ici. Donc ça, c'est faible, bah, mais c'est pas facile à attaquer non plus. Donc la théorie voudrait qu'on défende le groupe faible avant de passer aux stratégies, euh, à l'influence, tout ça. Non, on défend son groupe faible, on meurt pas. Mais le professionnel dans cette partie, il a choisi une autre stratégie. Il a joué D. Euh, L'IA recommande e, hein, donc ça, je vous le montre. Mais bon, c'est pas facile d'attaquer ce groupe, donc je, je crois qu'il a estimé que c'était nécessaire de jouer ce Kema euh, vers le centre pour euh, prendre le risque avec son groupe faible. Et je pense même que Crochet l'a tué plus tard dans la partie. <laughs> Mais c'est très très compliqué. Donc il a joué ça et c'est le troisième principe que je voulais illustrer c'est l'idée de balance globale. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette partie Blanc, il a aligné plein de pierres au centre. Donc hop, plop, plop, plop. Il a aligné ces trois pierres qui rayonnent vers le centre. S'il rajoute encore un coup en D, il va probablement diminuer le moyen noir augmenter le sien on a déjà vu cette notion. Donc là, Noir va garder la balance, quitte à prendre le risque de perdre son groupe en haut à gauche. Et ça, c'est très humain. Donc euh, on a peur de perdre le contrôle de la partie, de laisser cette énorme influence à Blanc. Donc on va juste sauver le groupe faible. Je n'entre pas dans les détails techniques, c'est très compliqué. Même moi j'ai pas tout compris. Mais j'ai vu ce coup qui était contre le coup de l'IA pour contrôler euh, la balance de la partie. Bon. C'était euh, assez intéressant. Donc ici tout est possible, hein. je pense, B était proposé aussi. Blanc doit répondre, s'il répond pas, Noir descend, si 10, ça fait trop mal. Et ici, c'était possible aussi, pour probablement aider un peu le centre. Il y avait juste A qui était un piège, c'est du usé. Voilà. <laughs> OK Donc on va illustrer un peu ça, c'est un, un peu compliqué, donc euh, on va partir là-dessus. Et je vais vous montrer une de mes parties. 1, 2, 3, 4, c'est ici. OK. Donc c'est une partie contre un troisième Dan, je pense, Philippe Linder que j'avais joué euh, il y a deux mois, sans doute. Euh, et donc, dans cette partie, on arrive à cette situation. Et Noir pose la question en L4. Alors, qui possède l'influence dans cette partie Question simple. On commence par les questions simples, puis on va compliquer. Ouais, c'est Noir. Oh, Noir, il a toutes ses pierres vers le centre. Ça me fait un peu peur, quoi. Là... Il se fait un mastacentre. Si ça se transforme en moyo, je vais devoir envahir, je vais devoir avoir des problèmes C'est pas la partie que je veux, moi je veux juste garder mon territoire et l'empêcher de faire des moyos Si je réponds juste en K3, il sera trop content, il va sauter, il va continuer son influence Donc c'est pas le plan du tout Blanc, il peut essayer de gagner le sente Comment est-ce qu'il pourrait résister à L4, qui est le dernier coup de noir À votre avis K4, tout à fait si Noir répond k 5, on fait Atari. Et là, moi, je reviens prendre ma gueule de tir. Hein. Très bonne forme. Et en plus, euh, je tétanise la pierre en R6. Donc, c'est le plan. Mais Noir, il va pas jouer comme ça. Bien sûr, il va crosscut. Ah. L'idée, c'est quoi C'est je prends Atari. Et en plus, il me sépare et je suis dans la merde. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Je dois descendre, je pense. Et donc, là, il est, euh, il est même senté. Enfin, Il peut prendre la pierre. C'est ça l'idée hmm. Ou il peut faire ça Et puis Tenuki Non je n'avais pas pensé à juste descendre en L2 Ok je pense que c'est ça le plan En tout cas fermer le centre en santé. Maintenant si blanc sort noir peut juste Donner le centre avec cette séquence hein. L'idée c'est que tant qu'il est fermé c'est bon Donc Ici il est à crosscut Et moi je vais essayer De briser son centre Il y a une séquence très simple pour se faire Comment est-ce que blanc peut essayer de casser le centre noir m4 puis continuer comme ça peut-être ça marche pas trop ça renforce plutôt noir j'ai l'impression k5 ouais traverse qui bien alors on peut même faire Atari avant et connecter dans la partie c'est ce que je fais ensuite noir Atari il brise mon donc le bord au sud mais qu'est-ce qui se passe c'est que moi j'ai brisé son centre. J'ai accepté de perdre mon bord, juste pour l'empêcher de faire quoi que ce soit au centre. En termes de points, on est plus ou moins équivalent, donc tant qu'il me fait pas peur avec son influence, tant qu'il construit pas quelque chose d'important, je peux ga garantir la partie. Et là je peux même encore couper, donc c'est parti en combat quoi. Mais dans la bataille, lui il risque son centre, et moi je risque j'ai déjà perdu mes points, donc je risque rien. <laughs> ouais, il a un groupe coupable, exactement. Donc là c'était purement dans l'idée de garder le contrôle de l'équilibre. Il a fait de l'influence, moi je cherche à l'empêcher de tout connecter ensemble facilement et d'avoir ces pierres qui fonctionnent ensemble. J'essaye vraiment de briser ça, quitte à perdre des points ailleurs. Comme tout à l'heure, le pro il a accepté de prendre un risque sur son coup faible. Moi j'accepte de perdre des points. Ça c'est important aussi, c'est de garder à l'œil. Donc le go c'est un peu un jeu magique, j'ai dit parfois, parce que euh, on peut prendre tout le territoire du monde, l'adversaire peut juste répondre normalement sans rien faire d'extraordinaire, il va gagner la partie parfois parce qu'il va juste prendre toute l'influence. Ce euh, sera déséquilibré quoi. Ça arrive souvent dans les parties euh, où on cherche des tessuji, etc. Et puis euh, l'autre répond simplement, mais gagne quand même. Euh, le go, c'est magique. Il a, il a suivi les principes de base qui étaient juste de faire confiance à l'équilibre. Et là, l'équilibre il est plutôt en faveur de noir au centre, donc j'essaie de rétablir la balance pour avoir une partie équilibrée. D'autant que mon adversaire est 3 donne et que je l'attends user, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'était un peu l'idée pour illustrer ce concept de balance globale, d'équilibre de... au jeu qui peut facilement tourner à l'avantage du joueur avec l'influence. Alors évidemment ça dépend des parties. Euh, si on laisse 60 points à l'autre pour avoir un mur de 4 pierres, c'est pas forcément rentable. Mais en général, euh, c'est important pour l'adversaire de connecter ses pierres. Pour l'anecdote, je crois que je l'avais déjà raconté dans d'autres cours. J'avais été en Chine pendant un mois pour un petit stage de Go, il y a 10 ans maintenant, même 14 ans, et j'avais rencontré un professionnel, Sidan professionnel chinois qui m'expliquait que sa vision du jeu à lui, c'était juste de connecter ses pierres. Alors, il ne cherchait pas à faire du territoire, il ne cherchait pas à créer des stratégies compliquées, mais il cherchait à garder ses pierres connectées visuellement sur le plateau. Et il s'en sortait très bien. D'ailleurs, il m'a battu avec 4 pierres... J'avais 4 pierres d'handicap à l'époque. <laughs> J'étais un peu vert. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais te montrer que ta stratégie, elle ne vaut rien. J'avais 18 ans, hein, je croyais encore aux choses. Je crois encore que je pouvais prouver des choses à un mais non. <laughs> il m'a explosé avec sa technique de relier des pierres. Donc voilà, c'est un petit peu la même idée ici. J'ai pensé à ce pro, je me suis dit je laisse pas mon adversaire relier ses pierres, parce que même si il est trois dames, il va en tirer quelque chose. Donc je vais essayer de compliquer la situation en rétablissant l'équilibre au centre. Ok, donc ça c'est la troisième notion. <laughs> il a pris... Oui, exactement. <laughs> Peut-être, hein, je ne pas demandé. On passe euh, au sixième exercice pour illustrer cette notion. Ok, voilà. Donc c'est à Blanc de jouer. Que fait Blanc ici oh. hmm. Intéressant. Mais vous êtes trop fort dans, cette, dans ce club, c'est pas possible. C'était mon exercice le plus dur, voyons. <laughs> ok. Alors, la majorité a raison. C'était eux. Pourquoi euh, pourquoi pas A Je suis sûr qu'il y a 5-6 ans on aurait tous répondu A. Ah mais si Noir il joue là, c'est trop bien, il relie ses pierres, il fait des machins, il fait un moyau. Mais aujourd'hui, ouais, la théorie c'est on attend avant d'entrer. Pourquoi Parce que si Noir il joue A, cette pierre, elle va avoir du mal à construire. La distance avec les trois pierres là, elle n'est pas idéale. Donc blanc il peut toujours envahir, devant. Et en plus, Noir va pas créer suffisamment. Blanc n'est même pas obligé d'envahir, il peut jouer là par exemple, pousser et lui-même construire en grand. En plus, il y a encore le Yose Sente en C18, donc la boîte de noir, bah finalement, euh, c'est une boîte de dragée, il n'y a rien. Blanc, il a construit euh, un truc énorme. Donc, ça, c'est une notion fondamentale aujourd'hui avec ces trois pierres c'est qu'on n'essaie pas de faire du territoire avec. On aurait pu considérer ça comme de l'influence avec lequel on va créer un moyo Et si on veut créer un moyo avec, on va le faire en grand. Donc par exemple, si t'es à Noir de jouer, j'aurais pu faire l'exercice dans l'autre sens. Noir jouerait pas K16, mais il jouerait C13. Là, Noir peut pas vivre chez Blanc. Alors l'idée c'est, dans l'exemple que j'ai montré, hein, ça tu veux dire, Noir peut essayer d'envahir bien sûr, mais premièrement il va prendre des risques et avoir des problèmes. Bon, c'est possible hein. En plus il risque d'endommager son coin en bas à gauche. Parce que blanc peut avoir cet échange quand il veut Et si jamais noir tenuki Blanc obtient A2 Donc la pierre qu'on a joué en F8 Va déjà l'enfermer et l'attaquer C'est un risque, mais c'est la manière de faire Peut-être qu'avant on aurait joué D9 Ça on le verra juste après Je vais t'expliquer En tout cas, bien sûr, noir peut essayer de vivre Bien sûr, blanc peut essayer de le tuer Ça reste du go euh, Rien n'est absolu hein. <laughs> pas pour... La partie elle est favorable à blanc, mais si noir vit et qu'il détruit tout Elle sera favorable à noir fait pour inviter du monde exactement donc ce coup en c13 euh, est assez important dans le dans le go moderne je vais vous montrer un autre exemple donc c'était le 8 9 10 voilà ici à blanc de jouer noir vient de jouer c10 qu'est ce que blanc fait donc, on connaît est... je saute un peu l'exercice hein, parce que je n'ai pas tout tout à fait mis dans l'ordre, désolé, mais sinon c'est un peu simple. B3, B2, E2. Oh, tout de suite joué comme ça, d'accord. C, A ou C. Mm, ok. Alors, ici, c'est plutôt C. Salut Loïc, bonne soirée à toi. Donc, c'est plutôt C. Et ça a aussi changé fondamentalement dans la théorie, ça à nouveau les trois pierres. c'est pas pour construire. c'est pas pour faire un groupe juste vivant avec une extension comme ça. Euh, c'est pas pour avoir ça. c'est pour attaquer. enfin inviter l'adversaire à les attaquer. parce que elles derrière, elles peuvent avoir une voilà, il peut avoir une très bonne forme qui est le scorpion comme ça. scorpion et puis par exemple pipe. il attaquer le groupe noir grâce à cette pierre en plus, gratuite en b5. Donc, ce qu'il faut retenir, si on n'a pas tous les détails techniques, c'est que Blanc peut avoir cette forme quand il veut, et donc il devient extrêmement dur à tuer. Noir il doit rajouter. Bah, si Blanc est tenuki, il rajoute encore un coup. Je sais pas. Par exemple, ici Blanc il peut encore s'échapper, comme ça. Il peut encore s'échapper comme ça. Pardon. Ah, blanc est dehors, alors que Noir a ajouté euh, deux coups et que Blanc a tenuki deux fois. Euh, ici j'ai déjà vu des pros encore tenuki. Hein. Là Noir peut toujours pas tuer Blanc. Enfin, c'est l'enfer quoi. Il joue là, mais Blanc s'échappe. <laughs> donc ces trois pierres-ci, elles jouent en constituant un appât, une cible. C'est pas un mur pour faire de l'influence. Alors si, bien sûr, c'est le dernier coup qu'il n'y a plus rien d'autre sur le plateau, on le prend. Je dis pas qu'il faut jamais prendre l'extension de ce mur, mais en général, on l'utilise comme un appât. Et ça, c'est une autre notion qui a bien changé. Hein. C'est pas juste territoire influence. On a un mur, on fait de l'influence. Non, en fait. Les murs, s'il y a le scorpion derrière, ça peut servir juste à être attaqué. Si l'adversaire ajoute des coups, il va perdre des coups ailleurs. Donc le noir blanc va en gagner ailleurs forcément. Et en gagner un avantage. Alors A, c'est pas une mauvaise réponse. Bien sûr, hein, ça c'est un autre coup qu'on va voir juste après. B c'est pas une mauvaise réponse. Tout ça est possible. Alors E c'est peut-être juste la mauvaise réponse, c'est très lent. Il faut éviter. Personne l'a dit, heureusement. Je mets chaque fois un petit piège, je pense. D c'est possible aussi, ça va pas vous perdre la partie, bien sûr, mais ça va être un petit peu plus lent que l'autre direction. Ok. Alors petite question maintenant pour Noir. Est-ce que Noir va vraiment jouer c7? Est-ce qu'il a pas un coup un petit peu mieux que ça techniquement? Ouais, très bien. C'est le petit Kema, le petit saut. Je m'approche pas trop de ton mur. Et en fait ce coup qu'est-ce qu'il vise? C'est de venir en c6. Donc cible en Tenuki, maintenant Noir a une excellente position avec c6. C'est plus intéressant que l'autre. Euh... Le, euh, la forme du scorpion marche bien, parce que c est, ici, c'est idéalement placé pour l'attaquer, une fois qu'il a ça. À la place de C12, c'est possible. C14 Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Donc euh, là, noir peut tenuki par contre, je pense. C'est ce qui me gêne. Là c'est un peu plus dur de Tenuki. Mais c'est possible, c'est 12 C14. Mais je, je, je le sens un petit peu lent. Euh, non, ça ferme pas le coin, mais C14, ça ferme pas le coin non plus. Hein. En fait, euh, là, il y a quand même un agit de fou avec ça, 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 et puis Noir a les Atari qu'il veut, et donc il aura ce genre de choses hyper gênantes. Plus tard, euh, je déteste l'Haji qui est sur cette forme personnellement, mais ouais, probablement que je préfère faire ça et construire en grand derrière avec le Kema. Mais je comprends, hein, c'est tout à fait possible c'est 14. Moi, à chaque fois que je l'ai joué, j'ai perdu ma partie au point. Donc, euh, dans mon expérience, je suis traumatisé. Mais si ça marche dans tes parties, utilise-le. <laughs> ok, donc c'était euh, ce petit coup maintenant qu'on va regarder. Donc, euh, le coup en D8. Il y a une partie que j'ai jouée, où je l'ai joué, je crois, deux ou trois fois de suite. C'est nouveau contre Denis. Tu veux montrer ah... On va peut-être d'abord passer par une autre partie, attendez. Ah, tac, tac. Attendez, je compte sur mes doigts, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai beaucoup d'exemples, parfois je mets un petit temps à les retrouver, voilà, c'est bon. bon. Un petit exemple pour illustrer cette question des murs à pas. Donc, on est ici. C'est A, à... donc noir c'est écruché de nouveau. Qu'est-ce que noir joue dans cette situation à votre avis Donc là, la question, si vous analysez bien la partie, euh, c'est le bord nord, parce que c'est complètement ouvert. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est tout à fait ça, c'est C13. <laughs> ah non, t'es tombé dans le piège, Ritz. Voilà. T'as joué le coup que tout le monde aurait joué euh, <laughs> il y a 5 ans. Le coup normal, c'est en effet j 17 hein. Ça veut dire qu'on s'installe sur le bord, on affaiblit euh, l'un ou l'autre côté. Hein. Si euh, blanc vient ici, euh, noir pourra attaquer les trois pierres et inversement. Mais Crutier, il joue c13 et il laisse blanc prendre l'extension au nord parce qu'il estime que blanc fera pas assez de points. Après, il a attaqué comme ça, je crois. Donc, euh, encore une illustration par un 9p. En plus Crutchier c'est vraiment euh, le bot des 9P quoi c'est le mec qui a joué contre Alphago qui a tenu 120 coups après Lycedol il a même tenu plus longtemps que Lycedol euh, il a un style assez bot Et dans ce cas-ci c'est parfaitement illustré par ces 13, j'attends. Je laisse pas Blanc s'appuyer sur mes pierres Si on fait J17 peut-être que Blanc il va poser cette question gênante Et donc il va réussir à avoir des coups santé Comme ça, comme ça ça peut être embêtant donc, euh, on préfère tout de suite régler la situation avec un solide C13. Donc, voilà une partie professionnelle qui illustre un petit peu la chose. Alors, une autre partie, tac tac tac, pour vous montrer le petit Kema. Donc, ça, c'est ma partie contre Denis à nouveau, mais dans le championnat de France Open. Euh, donc, Denis s'approche en R12, que je pense être une erreur. Je crois que R8 aurait été plus le bienvenu. Comment blanc répond-il à ce coup À votre avis Q8, of course, no c'est ça. On va s'installer, on va prévoir. En plus, noir a plus de bons coups pour m'attaquer tandis que moi j'ai un excellent coup après pour m'installer avec R6. Si noir vient là, je suis content de répondre pour avoir une forme euh, solide. Donc, encore une fois. Plus préférable que l'extension le, 3. L'extension 3, le défaut, c'est que Blanc, euh, Noir, il pourrait s'appuyer sur les pierres pour continuer à construire son moyau. Il y avait une foulée de... Euh, une tapée de, de Fuzeki comme ça avant, où Blanc faisait une extension 3 et Noir utilisait cette chose tout de suite. Je me souviens, je crois que c'était sur le, le... le mini chinois, donc euh, comme ça voilà. C'était sur ce Joseki là, blanc venait ici, Noir s'approchait. Puis noir venait ici, comme ça, et c'était l'enfer. Euh, si blanc fait, a le malheur de faire Atari, noir donne tout, et en fait, trop bien pour noir, quoi. Blanc, il a 7 points, et noir, il a fait un milieu de fou. Ça, c'était un qui à l'époque. Et je me souviens, il y avait plein de variantes. Je crois que c'était possible aussi de taper une fois, puis venir ici tout de suite, comme ça. Quelque chose comme ça. En enfin, bref, c'était rigolo. Aujourd'hui, on joue plus les coups comme R10. Hein. Aujourd'hui, ben, on va sans -san. Fais ton moyo, j'entrerai plus tard, c'est pas grave. Il y a des sans, -sans. Hein. Ok. Alors, on va passer à un autre concept. Donc là, on a vu comment utiliser ces petits murs d'invasion sans -san. Oui, on ne répond plus même plus à la poche en F3. On vient en F3, ben, c'est pas grave. On répond P3, bien sûr. Et puis ça se passe comme ça. Et puis on répond seulement. Donc, bien sûr, ça a beaucoup changé. Et ce qui est pas plus mal parce que on n'apprend plus des fous équipes par cœur. On apprend des notions, ce qui est plus intelligent, à mon sens. Alors, on passe à l'exercice suivant. Donc ça c'était le 10, 9, 8, 7, ok. On est là-dessus. C'est à blanc de jouer. Donc ça, c'est une partie tirée. Euh, une partie d'un de mes élèves, je pense. C'est à blanc de jouer. Et je m'étais posé la question, hein, où est-ce que Blanc doit jouer à ce stade C'était pas si évident. Qu'est-ce que vous feriez? Hmm. Intéressant. Alors, A, spoiler, c'est le coup de mon élève qui n'était pas bon. <laughs> Parce que noir monte simplement, puis euh, blanc il flotte, il a rien, il n'a pas de territoire et détruit un endroit où il n'y avait pas beaucoup de points, surtout. Euh, Je sais pas, il joue là, Noir ignore et il prend euh, ce coup à l'épaule qui est énorme. Donc <laughs> très. Euh... Alors eux, en effet, c'est intéressant eux, mais la forme de eux est un peu discutable parce que après Noir va de toute façon prendre Q7. Là, il y a quelque chose à bien voir, c'est cette position euh, symétrique à droite entre euh, les deux schémas développés de Ulchi, Donc c'est vraiment la forme qui arrive très souvent. La faiblesse ou enfin je ne vais pas dire la faiblesse, mais la manière de l'exploiter, c'est de venir taper en coup à l'épaule. Bim, Q13. Et si t'es le premier à le faire, c'est d'autant mieux. Si c'est noir qui le fait en premier, c'est plus gênant. C'est quoi l'idée de ce coup C'est de poser une question. La noire, il a deux choix. Oh non, il y a trois en fait. Il peut aussi Tenuki. Euh, donc il y a A, B ou Tenuki, C. On va le mettre euh, par exemple ici. En Tenuki, c'est simple, hein. en Tenuki aussi, et puis la pierre reste là. Ou alors on décide de continuer avec B pour faire un mur, comme ça. Donc ça, c'est toujours une bonne séquence. Deuxième option, répondre en A. Et alors dans ce cas-là, Blanc, il a un coup intéressant de suite. Bien sûr, il peut sauter. Ça, c'est toujours possible, c'est simple. Euh... Autre coup possible, c'est venir en P18. Ce coup est très souvent vu en combinaison avec la Q13, Q14. Pourquoi a priori noir a envie de garder son coin. S'il fait ça, ah, il perd tout le coin, c'est compliqué. Donc euh, noir va protéger en Q18, blanc va monter, blanc va pas forcément sauver toutes ses pierres, c'est pas son intérêt. Par contre maintenant il y a un échange qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a échangé A pour B. Oui même avec l 17 c'est possible. <laughs> Alors dans cette situation c'est vrai que c'est un peu plus discutable, mais dans beaucoup de situations c'est euh, largement supérieur, ici, même ici, c'est possible. Du moment que A pour B est échangé. Pourquoi Parce que si on avait fait l'échange auparavant, pom, 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 que blanc était venu ici, noir aurait jamais fait Q14. Voilà, surconcentré, pas bon, il aurait contre-pincé ou qui sait simplement séparé. Donc. Juste pour cet échange, on aime bien faire cette combinaison. Tac-tac, tac-tac. Et puis ici, blanc peut trouver un, une séquence pour réduire noir, hein, c'est possible. Ou bien juste sauter, abandonner les, trois pieds, les deux pierres. Comme ça, blanc est largement gagnant, je pense. Il développe son territoire, son influence harmonieusement. Ok, donc première, deuxième possibilité A, troisième possibilité B. Dans ce cas, blanc saute simplement. Noir aide blanc à construire son moyeu, s'il continue. Donc ça suffit à délimiter euh, l'influence noire par rapport à l'influence blanche facilement. On retombe sur le deuxième concept, qui était la limite des deux influences. En plus le sansan est toujours ouvert, et bonne nouvelle pour les adeptes du sansan, bonne nouvelle pour Camille Tout va bien Donc Ce coup très intéressant, coup à l'épaule par rapport au kema C'est souvent une décontinuation On préfère ce coup à Q17 P18 est jouable mais souvent en combinaison avec Q13 On préfère ce coup à l'invasion sansan, c'est très intéressant pour construire une influence rapidement Alors, On va voir 2-3 exemples Hop, on est ici. 8, 9, 10, ok. Je pense que c'est cette partie-là. 36, ok. Tac, tac, tac. Ah voilà. On est ici. Bon, là, je vais pas vous mentir, c'est pas trop compliqué. Hein. Blanc, il a joué une 4 Only move. Mais intéressant à savoir. Si vous ne connaissiez pas mais non ça doit vous sauter aux yeux il n'y a que N4 de possible Q13 aussi Q13 c'est pas tout à fait la même idée parce que ici si noir ne répond pas, blanc a pas de suite forçante Alors blanc peut faire ça mais noir va encore pas répondre il a détruit un bord moins intéressant, donc noir a pas forcément envie de répondre tandis que ici si noir ne répond pas, blanc s'installe et construit avec le mur en bas à gauche donc c'est un coup à l'épaule aussi mais par rapport au Kemaoshi, c'est une situation différente. R6, euh, oui, R6, c'est pas un mauvais coup, hein. bien sûr. La, le problème de R6, c'est que tu t'approches du bord qui est moins intéressant à cause de cette position. Souvent, quand Noir a cette position ou blanc, peu importe, quand il y a ce joseki, on ne va pas jouer sur le bord de la pierre R14, parce que le bord a moins d'importance, ce sera difficile d'y construire, que ce soit avec noir ou blanc. Donc R6, probablement que noir va contre-attaquer, hein, comme ça. Comme ça, et donc difficile de voir ce que blanc construit, mais ce que là, si noir répond, blanc il construit une belle influence vers le centre. Il a déjà des pierres tournées vers le centre, ici, donc il construit harmonieusement avec ses pierres son influence, ce qui est le thème du cours. <laughs> ok Alors, autre, euh, autre exemple, je vais passer pour, 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 à cette partie là, ok ça, ça c'était autre chose donc c'était ici à mon avis oh non c'était un autre exemple beaucoup plus rigolo bon c'est pas grave on va partir sur le suivant alors exercice suivant tac 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 on n'a pas vu c'est celui-ci et là c'est vraiment une notion complètement moderne les autres coups vous pouvez déjà les voir dans les parties 2010 2011 il y avait déjà ce genre de coups le coup à l'épaule par rapport au Kima ah, beaucoup moins joué bien sûr, on connaissait bien sûr ces notions de limite des deux influences, le Kmain vers le centre, complètement euh, joué auparavant, la balance globale aussi, mais là pour le coup ça va être complètement nouveau ce que je vais vous montrer. C'est à noir de jouer, que fait-il à votre avis <laughs> Je donne trop d'indices en fait quand je fais mes exercices. Bon, c'est pas grave. Euh, ok, alors, A bien sûr pas un mauvais coup, on vient de le voir. C'est tout à fait possible. Seul problème avec A, c'est qu'on a plutôt envie de construire au sud. Le bord sud est plus important que le bord nord. Et blanc, il a un excellent coup pour continuer en bas. C'est le coup à l'épaule. Il va mettre la pression sur les trois pierres. Ça va être gênant pour noir quand même. Là, d'un coup, il a beaucoup moins de perspective en bas. Euh, B. Est-ce que quelqu'un a répondu B Ah non, très bien. Moi, je, quand j'ai posé la question à mes élèves, il y en a pas mal qui m'ont répondu B. Euh, B c'est trop désincarné, on ne sait pas trop ce que Noir veut Cette pierre elle est jolie, bien sûr, elle est au centre Elle fonctionne pas mal avec les autres pierres Mais la stratégie derrière est moins évidente euh, Il va falloir prouver comment tu l'utilises plus tard Ça va être le jeu Moins clair Mais c'est pas... c'est jamais la réponse Ouais je suis désolé pour les adeptes de Tengen euh, si... Pendant le cours avec Takemiya je vais essayer d'en placer 2-3 qui marchent Mais là pas non euh, C'est peut-être un peu lent Blanc va répondre comme ça et puis probablement diminuer l'influence de noir, donc un peu lent. D, ça ressemble à du yosé, c'est gothé, donc c'est lent aussi. Même c'est tant que c'est gothé sur la deuxième ligne, c'est un peu gênant. Et alors, bien sûr, E, euh... ah, voilà, je vous ai dit, c'est un coup nouveau, c'est le coup de la sixième ligne. Plap, 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 plap. on est sur la sixième ligne. Donc auparavant on disait l'influence c'est quoi C'est la quatrième ligne, la cinquième quand il y a des joueurs un peu originaux mais bon ils vont jamais devenir 9P euh, La sixième jamais, on pensait pas jouer des coups de sixième ligne comme ça pour l'influence à l'époque on aurait 100% si on voulait faire ce territoire jouer quelque chose comme ça, tout simplement, là on contrôle ce qu'on fait Et l'idée de ces coups c'est bien sûr d'inviter l'adversaire à entrer pour l'attaquer et construire par ailleurs Donc là si blanc il entre pas, noir il va quand même se faire une sacrée boîte donc ça peut être compliqué pour lui. Ok Donc sixième ligne. On est parti sur les... dans l'espace. Euh, on est gourmand, mais on garde la ligne. On garde la sixième ligne. <laughs> C'est une notion que je vais un peu développer. Autre exemple. Ah, on va plutôt partir sur une partie. Une partie en exemple. Voilà. Euh, on est là-dessus. Ok. C'est une partie entre mes élèves et... Au moment où je l'ai vu, je me suis dit, il mmm, y a peut-être quelque chose à faire. On est là-dessus. Blanc, il a pas mal de potentiel au sud, et c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, à votre avis Quel coup vous rajouteriez pour compléter ce beau moyo Q14, mmm, c'est la suite, pourquoi pas C'est peut-être un petit peu lent, Noir ne va pas répondre, et il va tout de suite réduire au sud. Alors c'est parti pour l'écoute de... Alors non, H7 c'est la 7ème ligne, c'est raté, désolé. <laughs> je rigole. Euh, L'idée c'est en effet de faire quelque chose. Alors à l'époque on aurait probablement fait un truc comme L4. Moi je pense que à l'époque j'aurais fait L4 parce que là je suis sûr d'avoir mon territoire, blabla, c'est pas mal. Et puis Noir il m'aurait réduit sur la cinquième ligne parce que c'est un bot. Voilà, il aurait fait ça. Et j'aurais été triste de pas avoir assez de territoire. Non, aujourd'hui ce qu'on joue, c'est J6. J'ai regardé avec l'IA et il proposait un truc. Je sais plus si c'était entre H6 et J6, mais je crois que c'était J6. Moi j'avais pensé à K6. Hashtag mon pseudo, mais. Non. Par instinct j'aurais dit K6. Mais en fait, euh, l'IA est juste à côté en j 6 On est de nouveau sur la sixième ligne, on est de nouveau sur la gourmandise totale. L'influence, c'est être gourmand là, complètement dedans. Noir va forcément envahir et blanc va forcément essayer de l'attaquer. Euh, c'est pas possible autrement. Si le noir il est ça, ça fait trop de points. Hein, par exemple, euh, comme ça, comme ça, et puis euh, je sais pas, sortir, on va se battre. Donc, c'est pas F10 quand même. F10, non. A... Cette pierre elle aura pas d'impact quand noir va envahir, c'est le problème. Par contre, si on est en J10, là on sait que quand noir il va fuir, notre pierre elle va servir pour l'attaquer. Tsuke sur D10, tu risques peut-être de renforcer noir en haut à gauche avant de toute façon jouer un coup là. Mais tes idées sont bonnes, hein. l'idée c'est de faire un moyo en grand. Après on reste sur la 6ème ligne, on n'est pas encore parti sur la 7 ou la 8 on n'a pas encore vu ça. Peut-être que dans 5 ans les IA seront encore plus puissantes, elles joueront là, mais aujourd'hui on reste 5 sixième, 6ème, parfois 7 <laughs> Donc là on est complètement sur l'instinct, hein. je ne vous dis pas le coup il est joué là parce qu'il a tout calculé derrière. Euh, L'IA peut-être, mais en tout cas, sûrement pas moi. On reste sur la beauté du coup, on s'en inspire, on se donne des idées, on n'essaie pas de tout forcément comprendre derrière, je pense. Ok Alors, donc ça c'était euh, un petit exemple. Je vais montrer, donc on va passer au dernier exercice qu'on n'a pas résolu, dans l'avant-dernier, ici. C'est à blanc de jouer. Que fait-il C'est une partie interprofessionnelle, très récente aussi, voilà alors C c'est pas mauvais, C c'est la réponse de l'IA, chaque fois j'ai checké avec l'IA c'était la réponse, mais le pro il s'est envolé, le pro il est parti avec M14 <laughs> M14, voilà le coup, le fameux coup de sixième ligne. Partie professionnelle, je vous ai dit, j'ai pris les plus récentes, j'ai tapé dix parties, j'en ai trouvé trois avec ce genre de coup. C'est vraiment un truc qui est devenu à la mode. Le coup de sixième ligne, très intéressant. Là, il y a quand même un but, hein, c'est d'aider les deux petites pierres là en haut et réduire l'influence de noir. <laughs> Donc, pas facile à... dans les parties. Si vous trouvez ce genre de coup et que LIA est d'accord, surtout, alors c'est que vous êtes très fort. En tout cas, on peut s'en inspirer, explorer autour, c'est intéressant. Si on joue, mettons R6 et que Noir joue là, peut-être que Noir va tuer les deux pierres en grand, peut-être que ce sera gênant et que c'est ce que Blanc voulait éviter. Euh, je pense que M16 est complètement possible aussi, dans matière en plus traditionnelle, on va tout de suite sortir les pierres. Peut-être que J17 et R12 sont un peu hors sujet, parce que Noir, tant qu'il tue les pierres, il est heureux. Ce coup ne porte pas de pression, pas de suite, et là pareil, euh, Noir peut simplement essayer de tuer les deux pierres en haut à droite. <laughs> oui, c'est exactement euh, la réflexion que je me faisais. Si euh, il y a 5 ans j'avais vu ce coup, je m'étais dit, hum, mais qu'est-ce qu'il fout Pourquoi tu joues ça Ce coup il fait pas de territoire, il sauve pas tes pierres directement. Euh, il fait rien en fait ce coup. Mais aujourd'hui je dis, ouah c'est du génie quoi. Bravo <laughs> ça c'est une question d'époque c'est exactement ça voilà on va jouer sur la sixième ligne pour faire de l'influence plutôt que de contrôler sur la quatrième ligne alors deux trois autres exemples frappants un peu rigolo euh, que j'ai emprunté donc à Inseong il les avait déjà repassés, donc euh, crédit à lui mais j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment complètement lunaire à noir de jouer que joue-t-il pour augmenter son moyo en haut à droite est-ce qu'il va faire un petit Q12 gentil? Est-ce qu'il va juste jouer un gentil L3? <laughs> ah, on n'est pas loin dans la partie noire, qui est professionnelle aussi. Hein, il joue au 13. <laughs> Pour vous dire où est-ce qu'on est, qu est parti. Voilà, on est parti là-bas, on est parti sur au 13. On est euh, dans la station Mire avec Thomas Pesquet. <laughs> C'est. Voilà, j'ai je, je, pas d'autres commentaires. Euh, il a voulu augmenter son moyeu comme ça pour construire son bord droit. Maintenant, si blanc envahit, il aura des problèmes parce que cette pierre risque de l'enfermer. <laughs> la station ICS, excuse-moi, ouais, c'est la station Mir, c'est un peu plus vieux. Euh, autre exemple intéressant ici, c'est à blanc de jouer. Dans beaucoup de parties, probablement, qu'on aurait simplement joué. Euh, pardon, c'est à blanc de jouer. On est ici, voilà. On aurait simplement joué le petit Kema qui fait jamais de mal pour répondre. Hein. En tout cas, moi, je voyais pas d'autres coups intéressants de cette partie. Dans la partie, ce que Blond a fait. Toujours, on s'en inspire. Hein. F6, euh, F6. Peut-être que c'est gênant quand même l'œil d'éléphant là tout de suite. <laughs> Après, si le plan c'est de pousser comme ça, couper, ça peut être intéressant pour Blond. Hmm, J'ai pas pensé. Pourquoi pas? Dans la partie, euh, le professionnel il joue h6. <laughs> voilà. Donc euh... après là, l'idée est assez simple aussi. Euh, C'est un MIAI entre a et b. Hein, si noir veut capturer les pierres, comme ça, blanc il aura réduit le moyo, ou il aura même il aura réduit le moyo gratuitement. Et si noir saute, euh, dans la partie il va même envoyer sansan, -sans, blanc il sauve ses pierres. Donc Blanc sauve ses pierres et Noir doit sauver ses pierres du centre. Donc voilà. Euh, ce genre de coup, je dis... À l'époque, j'aurais dit ne le refaites pas à la maison. Là, je dis essayez-le, c'est trop rigolo. Il euh, y a tellement de suites intéressantes, tellement d'idées qui peuvent fuser euh, de ces coups de sixième ligne. En tout cas, moi, j'adore. Je vais essayer de les reproduire dans mes parties. Et c'est quelque chose qui va probablement arri vous arriver aussi, hein, si vos adversaires regardent un petit peu les parties professionnelles. Donc, il faut s'y attendre. Voilà. Donc, c'était le, le dernier concept, je pense, que je voulais explorer avec vous sur euh, cette influence moderne. Comment garder cette sixième ligne Comment être gourmand <laughs> bah Bien sûr. Après, là, on est sur du Fuseki plutôt. Euh, C'est la haute stratégie, donc ça reste l'instinct. Hein, si vous avez cet instinct, tant mieux. Alors, dernier petit exemple qu'on devait regarder. Voilà, on est ici. C'est à blanc de jouer. Qu'est-ce que vous feriez? En toute honnêteté. Ah, vous n'êtes pas honnête. Non, 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 vous n'êtes pas honnête. Bien sûr, on va jouer B. On va prendre les deux pierres au-dessus. Elles sont gratuites. Merci. Merci, Rémi. Merci, Ilm. Alors, on va prendre ces points gratuits. C'est trop bien. On n'est pas sur un cours sur l'influence. On va pas jouer H9. Mais le pro a joué H9. Hein. Voilà, c'était téléphoné. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai regardé avec l'IA, c'est que euh, l'IA, elle proposait euh, T5. Hein. Elle voulait prendre les trois pierres, même pas les deux pierres au-dessus. <laughs> Ça lui faisait trop de points, je pense. Mais le professionnel, il jouait H9. Alors, c'est un peu tous les concepts à la fois. Hein. Les concepts euh, limités à la, à la limite des deux influences. Euh, je contrôle le centre. Et puis ça veut aussi illustrer un petit, le petit proverbe que j'ai modifié, donc je vous avais dit tout à l'heure Le coin est d'or, le bord est d'argent, le centre c'est le désert Alors un jour on m'a dit, je crois que c'est Fan qui m'a dit comme ça Non mais c'est pas le vrai proverbe, en fait le vrai proverbe on l'apprend que quand on est professionnel Et le vrai proverbe c'est quoi C'est le coin est d'or, le bord est d'argent et le centre c'est pour le maître <laughs> Pétrole c'est la version française, non, le centre c'est pour le maître Et donc ce coup je trouve qu'il illustre ça à merveille en général on dit jouer pas au centre c'est des damés. Là c'est un 9 p qui joue blanc, il joue au centre, c'est le maître. Donc je voulais finir sur cette petite touche-là. En général, euh, on dit de ne pas jouer au centre, mais en fait c'est juste parce que c'est compliqué. Le contrôle du centre, c'est une notion très compliquée. Avec les petites techniques que je vous ai montrées, on peut s'en approcher un petit peu. Ça reste de la créativité, c'est ce qui est le plus beau dans le go et de l'instinct. Mais euh, c'est ce qui est aussi, à mon sens, je pense, le plus intéressant. En tout cas, le contrôle de cette influence, c'est quelque chose d'essentiel. <laughs> alors ça me va. Ah moi je veux être un maître, je veux pas d'or. Je veux juste être un maître. <laughs> Chacun ses priorités, hein, Romain, désolé. Ok, je plaisantais. Donc voilà, je finis le cours là-dessus. Pour faire un petit résumé, on était donc sur euh, les différents concepts liés à cette notion d'influence moderne. Donc premier concept, on a vu Kema vers le centre, tout simplement, on contrôle directement avec un Kema. Deuxième concept, jouer à la limite des deux influences. Troisième concept, on essaie de conserver le global du plateau. Si vous voyez que toutes les pierres de votre adversaire sont tournées vers le centre, mais qu'il y a encore un coin disponible, faut pas forcément sauter dessus, faut peut-être aussi limiter les dégâts au centre. Euh... Quatrième concept, attention au mur d'invasion Sansan. Pas forcément pour construire de l'influence, plutôt pour servir d'appât. Cinquième concept, les coups à l'épaule sur un, un Roshi développé en Kema. Très important dans cette construction de l'influence moderne. Et finalement, le coup de sixième ligne, le coup lunaire. À tester. Hein. C'est encore des recherches, hein. c'est encore très expérimental. Il y a très peu de recul là-dessus, donc on ne connaît pas exactement les effets. Mais en tout cas, c'est stylé et je suis sûr que les pros comprennent pas tout à fait ce qu'ils font non plus. Mais ils le jouent. Et parfois avec succès, bien sûr. Donc voilà, des petites idées pour euh, introduire cette série de 4 masterclass sur l'influence. Le prochain cours sera dédié à l'invasion. Donc euh, j'ai repris la fameuse phrase du rappeur 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Je ne sais pas si mon accent est bon. L'idée de l'influence, voilà, euh, l'idée de l'invasion, on va regarder ça plus en détail. Ensuite, on aura un cours sur la réduction, logiquement. Et puis finalement, on va finir en beauté sur le style de Takemia, le go-cosmique, et ses petits adeptes. Voilà, bah merci à tous d'avoir suivi, d'avoir pu, euh, d'avoir fait les exercices, et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous. Merci d'avoir suivi.